Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un truc assez cool, c'est du nouveau skin visiteur. Alors ce nouveau skin visiteur, il est assez sympa, mais ce qui est super sympa encore davantage, c'est qu'on va avoir des espèces de petits défis à compléter pour l'avoir gratuitement. Alors ce skin va s'appeler Visitor Volta Skin en anglais, donc ce sera... Donc le visiteur de base mais en version un peu plus badass. Je vous montrerai d'ailleurs des images tout à l'heure. Ce que j'ai à vous dire c'est que les défis sont assez simples. Et au bout de 4 défis vous allez avoir le sac à dos. Et au bout de 7 défis vous allez avoir le skin. Alors je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite pourquoi pas le skin et le sac à dos. Donc regardez-moi ça, à quel point c'est stylé. Donc voilà, comme je vous disais, le sac à dos, ou cap, puisque de toute façon c'est un mélange entre les deux, on voit qu'il est assez vif, assez stylé, on dirait un peu le délire avec le volcan, avec les petites taches rouges qu'on voit, un peu des espèces de, comment dire, d'éraflures sur la cape. Et regardez-moi ce fat skin, vraiment badass, hyper épais plutôt, comparé au petit visiteur de base qui ressemblait à un gringalet. Regardez-moi ça, ça me fait penser à vraiment un truc de chez Halo, chez Destiny, mais vraiment des gros gros trucs qui font bien plaisir. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Puisque les gars, ce skin à gagner et ce sac à dos, comment les avoir? Tout simplement, on va avoir des défis à effectuer de Meteoric Rise, donc de l'avènement de la météorite, si je peux appeler ça comme ça. Alors le nom exact je le sais pas encore parce qu'on n'a pas encore les fichiers. C'est que à partir normalement de demain ou de la semaine prochaine qu'on aura ces défis. Mais si c'est à partir de demain, c'est un truc de ouf, puisque j'ai grave envie de les avoir. Surtout ce skin, c'est un truc de ouf. Et de toute façon, tous les défis que je vais vous dire là, je vais vous les faire en individuel pour pouvoir vous aider plus facilement à les effectuer. Alors le premier défi en date sur les 7, ce sera de détruire des structures avec la faille à débris. Donc tout simplement la faille à débris, nouvel objet arrivé il y a quelques temps. Vous allez le prendre, vous allez le balancer sur des structures et vous allez le péter. Donc ce premier défi assez simple. Certes, faut-il encore trouver les failles à débris et les utiliser à bon escient, si je puis dire. Voilà, en tout cas, le deuxième défi consistera à visiter différentes zones de failles dans la même partie. Alors trois, il y a maintenant plusieurs trucs, hein. Il y a Tilted, Retail Row, Greasy Groove, Paradise Palms, Fatal Fields qui était en zone de faille mais qui n'a rien de spécial. Mais voilà, il y en a vraiment plusieurs simples à faire, donc 3 à faire dans la même partie, assez simple. Donc ce deuxième défi, cool, efficace et pas cher. Le troisième défi, simplement 7 éliminations dans une zone de faille, pardon, donc dans cette zone de faille en question où vous allez aller chercher ou visiter donc les zones en question pour le défi numéro 2, vous allez devoir éliminer des adversaires dans ces zones en question. Alors 7 adversaires, assez simple, surtout que vous pouvez le faire je pense en foire d'empoigne, vu que foire d'empoigne maintenant c'est un mode qui est là pour toujours, et bien vous allez vous faire plaisir en foire d'empoigne à pouvoir les faire, surtout que bon, 7 kills, c'est pas la mer à boire, vous allez... grâce à ce défi, avoir accès au quatrième défi, et c'est ce quatrième défi qu'on cherche, puisque c'est le premier à donner des récompenses, cette récompense étant le sac à dos que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ce quatrième défi sera de chercher des boîtes de munitions et des coffres dans les zones de faille, justement, il en faudra un total de 20, alors, très simple, je dirais pas, assez simple, oui, puisque 20 coffres et boîtes de munitions mélangées, vous pouvez en faire plus de 10 dans la même partie, donc 20... faut compter deux parties, et si vous êtes vraiment pas fort, pas rapide, etc., vous le faites en 3-4 parties, ça vous prendra pas plus d'une heure. Donc juste entre guillemets pas plus d'une heure si vous faites pas trop attention, hein. Si vous tryhardez le truc, vous pouvez même le faire en une seule partie, c'est ça que je veux dire. Donc quatrième défi, avoir donc ces boîtes de munitions et ces coffres pour débloquer l'accessoire de dos. Cinquième défi, atterrir dans des zones de faille. Et ensuite se placer top 10 en solo, duo ou section. Donc du coup, il faut atterrir donc soit Greasy Groove, soit Paradise Palm, soit Loot Lake, etc. Et ensuite arriver en top 10 en duo, solo ou escouade, donc section avec vos potes, ou en solo si vous préférez le faire en solo. Alors, simple, pas simple, peut-être. Maintenant le problème c'est que Paradise... qui est devenu Moisty Palms et Greasy Groove sont super réputés, donc je vous conseillerais d'atterrir même à Loot Lake maintenant, même si c'est pas le best de best.
et ensuite de réussir à vous placer. Après, de toute façon, j'ai déjà de toute façon prévu de vous faire des clips. Je vais vous faire même cette vidéo-là, si possible, où je me place en solo ou peut-être en duo avec Alexis, alias Pitfall, où je pourrais justement vous montrer ça. Ensuite, donc nous avons l'avant-dernier défi qui sera de consommer des objets instables avec différents effets. Alors vous allez avoir, comme sur le stade, des espèces de donc des noix de coco, des pommes, des champignons, des piments, etc. Donc ça, c'est des effets différents et vous allez en devoir consommer 4 tout simplement pour 6e défi. Et on arrive au dernier défi qui sera de toucher un cube géant brillant. Donc ça, c'est le cube qui se trouve sous l'île, qui se balade sur la carte, et entrer dans une faille près de Loot Lake, donc c'est la faille qui est dans Loot Lake, et chercher la météorite et atterrir dessus. Donc vous allez avoir trois choses à faire, c'est le cube, donc visiter l'île, la faille de Loot Lake à aller activer, et se poser sur le météore. Donc tout simplement un truc de ouf. Alors les gars, pour ce défi, comme je vous disais, rien de très compliqué. Je vous ferai de toute façon la compile individuelle de chacun, et bien sûr, n'oubliez pas, il y a des choses à gagner, comme le skin et le sac à dos gratuitement. Donc préparez-vous, ça arrive très bientôt. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de mettre un max de likes, un max d'abonnements si vous n'êtes pas abonné, les gars, puisqu'il faut vous abonner pour suivre le contenu complet. Aujourd'hui, j'ai publié pas mal de vidéos, notre plus de 10, je crois, concernant toutes les mises à jour, tous les défis, tous les skins qui arrivent, etc. Donc soyez nombreux à rester sur la petite cloche YouTube. Et bien sûr, demain, les défis de la semaine 7 vont arriver. Je vous mettrai tout ça, bien sûr, en ligne. Et voilà, les gars, merci à tous. N'oubliez pas le code créateur Telmo-Lopez et de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain. Salut à tous.